ambiance, mesdames et messieurs, quelle ambiance sur ce plateau TV, le deuxième TV Foire de Sens, qui vient de démarrer à l'instant, et je vois que ça démarre très fort. J'ai un petit problème de retour dans le son. Voilà. Et vous ne m'entendez pas, donc on va essayer de régler la problématique technique tout de suite. Ce sont les joies du direct. Voilà. Deuxième journée de foire, ça va arriver, ça va arriver. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre, comme l'on dit, et pendant ce temps-là, c'est un art. Je t'entends même pas. Voilà, vous ne m'entendez pas, bon, c'est bien. Moi, je m'entends même un peu trop fort, donc j'espère que la technique va intervenir rapidement pour pouvoir mettre en place cette seconde émission consacrée, après le sport, à la musique. La musique a sens, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et effectivement, nous allons avoir un joli programme pour en parler pour ce plateau. J'espère que les techniciens vont intervenir rapidement, parce que vous ne m'entendez pas sur le plateau. Romain Croco, bonjour. Bonjour. Moi, je vous entends, ça y est. On fait un petit test. Tout va bien, Romain, depuis hier? Eh bien, écoutez, tout va bien. Il y a toujours un peu moins de soleil, mais toujours du beau temps. Donc, tout va extrêmement bien. Bon, en fait, le retour est plutôt bon quand nous parlons. C'est déjà un bon signe. Oui, oui, donc le retour est bon. On règle un petit problème technique. Pour expliquer, en fait, nous, on n'entend pas du tout Thierry sur le plateau. On va l'écrire pour l'instant, parce que je vais revenir, à mon avis. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ah ben voilà. Ce sont les joies du direct, hein, comme je l'ai dit, Romain. Bien, donc, hier, c'était la première de cette émission. Ça va nettement mieux au niveau du son, mesdames, messieurs? C'est un peu mieux, mais peut mieux faire encore. Hein. Voilà, ça c'est Véronique Franz, l'adjointe à la culture au patrimoine. Et là, c'est un peu rabat. C'est quasiment chef-d'œuvre en péril, hein, en termes de patrimonial, forcément. Hier, nous nous intéressions au sport. Aujourd'hui, nous changeons de partition, sans jeu de mots, puisque nous allons parler de musique. Et la musique a sens, c'est logique, ça se vit, ça se vibre. Et vous allez voir, mesdames, messieurs, avec beaucoup d'exemples et des styles totalement différents. On va passer du baroque lyrique classique à d'une variété très tendance moderne avec notre jeune chanteuse Nalou qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. D'ailleurs, elle travaille avec Larsen, je viens de l'avoir dans l'oreille, Larsen Records, le label municipal. On met de l'humour, mesdames, messieurs, pour être le plus raccro et synchro possible avec les soucis techniques que nous avons. Donc, sans plus tarder, je vais présenter mes invités. On va commencer par les filles, Romain, je suis désolé. Donc, à ma gauche, Véronique Franz, qui est adjointe à la culture et au patrimoine. Bonjour, Véronique. Bonjour. La musique a sens. Alors, c'est une évidence. La musique a sens pendant tout l'été, dans un programme à chaque fois renouvelé et toujours aussi large. Ça va démarrer dès le 1er juillet, 2 juillet, ce rendez-vous si attendu, Musique à Sens, avec la danse le vendredi soir, et puis la grande vedette, Louis Bertignac, le lendemain. Eh oui, et je pense qu'il faut prendre les billets. Hein. Alors là, il va y avoir une foule incroyable, parce que tout le monde connaît Louis Bertignac, tout le monde a des souvenirs de son groupe mythique. Je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que ça sera un grand succès. Et puis on enchaînera tout de suite après avec des rendez-vous qui sont presque habituels, de la musique classique à travers les sensationnels, petits concerts de chambre dans des églises. On n'entend pas bien, non? Non, c'est compliqué. On va continuer quand même. Hein. Alors voilà, les sensationnels pendant la première semaine de juillet. Le Festival d'Orgue, lui aussi, rendez-vous classique, qui va se dérouler entre juillet et août et qui invite des artistes et internationaux pendant tout l'été. Et puis aussi un peu d'art vivant avec une nouveauté cette année, ce qui me permet de saluer Claire Le Filiatre qui est à mes côtés. Ce rendez-vous, ça sera à l'avenue de la Péniche Opéra, fin juillet, qui va accoster sur les rives de Lyon et qui va accueillir, au-delà des spectacles de théâtre, du chant et de la musique.
et du chant, notamment à travers la présence de Claire, qui peut peut-être dévoiler un peu le programme de cette péniche opéra. Alors Véronique, on reviendra un petit peu dans le détail sur ce programme très copieux qui nous attend pour cette année 2022. Claire Le Filiatre, bien sûr, qui est notre invitée aussi. On excuse Stéphane Fugec qui devait être avec nous, mais qui a aussi des impératifs professionnels. Je crois qu'il travaille sur un joli projet avec l'opéra, c'est ça Claire? Alors, Claire n'a pas de son. Il est en pleine répétition, merci Véronique. Stéphane Fugé est en train de répéter un opéra qui va être donné au Conservatoire de Paris le 10 mai et qui sera également repris dans notre festival, en ouverture de notre festival à Joigny le 5 août. Donc voilà, il y a quand même un lien avec la région. Donc voilà, il est désolé de ne pas être là. Alors bien sûr, vous représentez tous les deux, parce qu'il est avec nous par l'esprit, cette compagnie lyrique Les Épopées. On aura l'occasion d'en reparler également. De l'autre côté du plateau, c'est un peu le folklore, mais le folklore c'est musical. Donc restons dans le côté musical. On a le plaisir d'accueillir Lou. Alors Lou, c'est son petit prénom, mais elle est plus connue maintenant sous le pseudonyme artistique de Nalou. Bonjour Nalou. Bonjour. Nalou, 19 ans, une jeune chanteuse qui vient d'enregistrer un morceau dont on aura le plaisir tout à l'heure d'écouter l'intégralité, si le son fonctionne. Exactement. Alors ça, c'est un exercice difficile pour une musicienne quand on a des problématiques de son. Alors, l'exercice compliqué à ce moment-là, c'est plus de garder son calme et de ne pas stresser. Mais on trouve toujours un moyen de trouver une solution et de s'adapter aux conditions comme ça. Et c'est normal, c'est les aléas du direct. Alors, mesdames, messieurs, je vous rassure, nous ne sommes pas sous acide pour l'instant, parce que Romain Crocou, qui avait déjà fait un exercice hier pour le sport, lui, il est d'un calme olympien pour rester dans la dominante sportive d'hier, Romain. Bien sûr. De toute façon, c'est toujours un plaisir d'être là. En plus de ça, pour parler aujourd'hui de la musique, avec ma collègue Véronique, et puis pour parler surtout de Nalou, qui est notre première artiste pour le label municipal, Larsen Records, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, un calme olympien, parce que avec des sujets aussi sympathiques à aborder, et une foire aussi belle, comment peut-on être stressé ou autre? Ce n'est que du bonheur. Absolument, et je pense qu'on va faire ce plateau, malgré tout, sans fausses notes. Et c'est le but. je l'espère. Alors, Véronique, plus globalement, avant de parler du détail du programme, pour vous qui êtes en charge de la culture et du patrimoine, c'est fondamental. Ce sont des valeurs intrinsèques d'une attractivité, d'une dynamique au niveau d'une ville et d'une région, enfin d'un secteur comme le Grand Sénonais, j'imagine. Alors, la présence de... Ça marche ? Oui. La présence de Nalou et de Claire Le Filiatre. Et pour Romain Crocou et moi, l'occasion de souligner deux choses très importantes que nous avons en commun entre le sport et la culture, mais aussi finalement c'est entre tous les secteurs que la collectivité essaye de développer. Deux soucis communs, c'est un, d'apporter l'excellence aux Sénonais. Et là, je crois que Claire Le Filiatre, Les Épopées, Stéphane Fugey sont un exemple magnifique de cette excellence qui vient à la rencontre des Sénonais. Le deuxième point qui est très important et complètement transversal, c'est notre volonté de jouer un rôle d'incubateur à talent. Et là, je regarde Nalou, qui est un talent en train de naître et que nous sommes très heureux d'accompagner. Et je crois que c'est très important aussi d'envoyer ce type de message aux jeunes. De leur dire qu'on est là aussi pour les soutenir dans des disciplines artistiques ou sportives ou autres d'ailleurs, parce qu'au plan économique aussi nous jouons notre rôle d'incubateur à talent. Donc voilà, sur votre plateau on illustre en tout cas deux piliers importants de la politique en matière culturelle, mais de la politique en général que nous menons à la ville. Je savais que j'aurais la quintessence justement culturelle patrimoniale aujourd'hui sur ce plateau. Les propos que vous dites, Véronique, me confortent dans ce sens-là. Alors, sens, quand on voit un petit peu de l'extérieur, c'est la capitale économique du département. Ça, il n'y a pas de souci, on le sait depuis longtemps. C'est aussi une des capitales culturelles. Jean-Jacques Hano était là récemment pour présenter Notre-Dame brûle. Il en a tourné une partie ici. Et on sait que la ville de Sens a une appétence pour le cinéma. Laurent Voulzy était là il y a quelques mois par rapport à un joli concert
concert sur la cathédrale de Saint-Étienne. Vraiment, vous êtes devenu un incontournable, et c'est le fait aussi d'être en proximité avec l'Île-de-France. Alors en fait, Sens est une mini-France dans la mesure où on concentre ici la culture, le patrimoine, les traditions et la volonté d'écoute et d'adaptation aux besoins de la jeunesse dans ce patrimoine, dans ces traditions aussi. Donc l'agence d'attractivité dont vous avez sans doute déjà parlé sur ce plateau va être l'occasion pour nous d'être un amplificateur de son de tous ces atouts que le territoire a, notamment en matière de patrimoine, pour mieux diffuser, mieux attirer, mieux expliquer en quoi la ville est une richesse incontournable, richesse dont doit pouvoir se saisir aussi le monde économique. Le monde économique doit pouvoir s'asseoir sur les valeurs de ce patrimoine pour développer sa notoriété et son assise locale. En tout cas, c'est à ça qu'on est en train de travailler. Et forcément, économie dit aussi emploi, parce que derrière, il y a des emplois induits par rapport à toutes ces activités patrimoniales culturelles. Exactement. Donc, l'agence, pour reparler de ce projet ambitieux qu'on est en train de porter sur les fonds baptismaux et auquel mon collègue Romain Croco est très associé dans le cadre, mais il en parlera lui-même, des Jeux Olympiques, parce qu'il n'y a pas que la culture. La culture, c'est important qu'elle soit ouverte à tous. Et alors, le programme de cet été, puisque je me permets cette digression, est une magnifique illustration du fait que cette culture est ouverte à tous, notamment dans le programme des musées. Cet été, on a des expositions majeures en matière d'art contemporain qui vont s'ouvrir à partir de mai et juin à l'Orangerie, mais aussi dans la salle du Palais Synodal. Ces expositions, cette année, elles ont une spécificité. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment tenu à ce qu'il y ait un volet médiation de plus en plus important, comme ce qui fait dans les grandes expositions parisiennes, par exemple. Donc, tous les dimanches, cet été, il y aura des médiateurs dans nos expositions qui iront à la rencontre des visiteurs et qui expliqueront en quoi les artistes qui sont devant leurs yeux sont intéressants, au cas où ça puisse leur échapper, parce qu'après tout... Ça serait un comble, quand même. Écoutez, il faut admettre que les choses ne sont pas forcément évidentes et qu'il est important de les expliquer, d'ouvrir des portes. Et donc voilà un peu la nouveauté aussi du programme de cet été qui illustre combien cette culture doit être abordable par tout le monde. Alors elle est abordable d'autant plus par tout le monde qu'avec Romain, on a eu une idée dont on est très content. On ouvre le musée et les jardins de l'Orangerie à des pratiques sportives et notamment à des cours de yoga qui vont démarrer très bientôt, qui seront gratuits et qui permettront aussi à des gens qui ne sont pas forcément habitués des musées de venir découvrir tout cela à travers une pratique qui leur plaît. Bien, alors Romain, hier, on vous avait vu sur le sport plein pot avec l'olympisme, maintenant c'est le yoga. Alors, le yoga fait partie des pratiques sportives, de l'activité physique. Et comme le dit très bien Véronique, le but étant de pouvoir faire du sport aussi hors les murs. Et quelque part, et c'est là où tout est lié, quelque part, hier on parlait du sport, aujourd'hui c'est plutôt de la musique, de la culture, de l'expression artistique. Et en fait, on voit bien qu'il y a des ponts, des passerelles qui existent vraiment. Et quelque part, de pouvoir me dire que des Sénonais, des Sénonaises ou des gens qui habitent notre ville ou qui viennent dans notre ville peuvent pratiquer une activité physique qui a le vent en poupe, parce que le yoga c'est quand même un sport doux, dans un cadre tel que le musée, qui est quand même un très beau musée, on peut être fier quand même du patrimoine que nous avons dans notre ville. Ça va permettre peut-être, et je le souhaite, d'avoir comme ça des rencontres, peut-être que des gens qui n'avaient pas encore franchi la porte de ce musée iront et vont découvrir tous les trésors que nous avons. Ou au-delà de ça, si c'est des gens qui avaient déjà l'habitude d'y aller assez souvent ou dans toutes les expositions que l'on peut faire, de faire leur pratique sportive dans un cadre vraiment idyllique. Parce que c'est quand même chouette et sympa de faire ça avec toutes les œuvres autour. Je profite de votre présence en qualité d'adjoint jeunesse et sport. Parlons un petit peu de cette jeunesse, culture jeunesse. Ça se marie bien ensemble, Romain ? Forcément, parce que la culture
est un point bien évidemment essentiel dans notre pays, dans notre culture, dans notre façon d'être, dans notre histoire, qui nous a forgé le peuple que nous sommes aujourd'hui et qui nous amène, qui nous donne des chemins pour ceux que nous serons demain. Et la jeunesse, ils sont jeunes aujourd'hui, ce seront les adultes de demain aussi. Et c'est-à-dire que la culture a aussi cette énorme chance pour la jeunesse de lui apporter des perspectives, des réponses, des façons aussi de s'exprimer. Là, on le voit bien avec cette belle artiste qui est à côté de nous. C'est pour elle aussi le moyen de dire des textes, de chanter des textes, de s'exprimer et de pouvoir donner son point de vue sur sa vision du monde, sur sa façon d'être, sur des choses qu'elle pense. Et c'est peut-être ce qui a le plus beau encore aujourd'hui, de pouvoir se révéler tel que l'on est. Donc évidemment, la passerelle entre la jeunesse et la culture est extrêmement présente. Larsen Records en est qu'un détail, un détail important, c'est un projet important que l'on porte, mais ça rentre complètement dans ce cadre-là. Voilà, puis elle ne pense pas toute seule parce que son titre s'appelle « On », donc en fait elle pense pour nous. Je pense qu'au niveau de la technique, il y a peut-être une petite vidéo qui devrait illustrer la scène. Je ne sais pas si la partie technique m'entend, mais si l'on pouvait envoyer la petite vidéo sur la scène. Voilà, c'était une petite vidéo sur la scène. Quelques mots, Véronique, sur la scène, justement, pour nous apporter quelques explications complémentaires. Quand le son reviendra. C'est bon pour vous ? La scène a souffert, évidemment, comme tous les établissements de culture, de cette période sanitaire, la période sanitaire qu'on vient de passer. On avait peur que le public ne revienne pas. En fait, Patrice Regnault fait une programmation extrêmement diverse, extrêmement gaie, et a réussi à fidéliser un public. Et ce public est revenu à nos rendez-vous dès le début, dès la réouverture de la salle, ce qui est un vrai plaisir pour nous, un vrai encouragement aussi. C'est vrai que cette scène, au-delà de la programmation que nous faisons, accueille tout le tissu associatif, culturel, pour des manifestations. Elle accueille aussi les talents qui vont naître. Et là, Romain se chargera de nous réserver de nombreux créneaux pour qu'on puisse voir ces talents. Enfin, c'est un espace multiforme qui doit répondre et au divertissement et à la présentation de ces talents qui sont en train de naître ou de se confirmer. Alors, je connais beaucoup de néo-sénonais qui se sont installés depuis peu dans votre ville. Ouais. Et ils sont tous surpris, agréablement, de cet éclectisme culturel par rapport à d'autres endroits de notre région. C'est vrai c'est un vrai souci pour nous d'offrir une palette extrêmement variée sur tous les types de spectacles qui existent. C'est un souci aussi de pouvoir offrir cette diversité à un prix très attractif. Hein, pour la scène, je rappelle qu'en moyenne, le prix d'entrée est de 5 euros pour des artistes qui sont vraiment formidables. Donc, il n'y a pas de barrière, en tout cas, à la venue des gens à la scène. Ça a été notre souhait. Pour vous, Claire, le fait qu'une ville comme Sens, on parlera dans un instant de votre accueil en 2018 avec cette compagnie, c'est quelque chose d'inhabituel ou ça va dans l'esprit finalement de toutes ces localités, de ces agglomérations, de s'ouvrir davantage à la culture ? Alors je pense qu'il y a un mouvement de toute façon effectivement d'ouverture de plus en plus avec une prise de conscience, comme le disait Romain tout à l'heure, qu'il y a une nécessité d'ouvrir la culture au plus grand nombre et aux générations en devenir. Et puis comme pour rejoindre ce que disait Véronique également, il y a aussi cette prise de conscience, j'ai l'impression que
autant être touché par une œuvre d'art, par un beau bâtiment est assez est à la portée de tout le monde. Enfin, on peut être bouleversé par quelque chose sans bien savoir pourquoi. Mais l'intérêt aussi du type d'action que vous mettez en place, par exemple le mercredi avec des le dimanche avec des médiateurs, c'est effectivement de permettre à des gens de comprendre aussi, de rentrer un peu davantage dans l'histoire de ce qui les touche. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et je salue le travail de la ville de Sens dans ce chemin-là, et effectivement dans cette programmation très riche. On va prendre la machine à remonter le temps, on ne va pas aller très loin, on va aller hier, puisqu'il y a une petite vidéo qui va nous montrer un petit peu les éléments essentiels de cette journée, cette première journée de Foire à Sens, si l'équipe technique veut bien lancer les images. Merci. Voilà, alors il y a donc ces quelques images. Romain, vous allez pouvoir les commenter, puisqu'il n'y a pas forcément de son, mais j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu sur ce qui s'est passé. C'était l'inauguration qui avait lieu avant-hier pour la foire, et ça c'était hier pour la fête foraine, en présence de monsieur le préfet. On avait vu donc juste avant le ministre Jean-Baptiste Lemoine, madame le maire, bien évidemment Marie-Louise Faure et tous les élus qui étaient là. C'était une vraie attente, cette foire avec deux éditions qui avaient été annulées. Ça nous a permis aussi d'aborder maintenant plusieurs thèmes, notamment hier le sport. Là, je revois les images d'hier où on a pu aborder différents projets comme Sport à Sens, mais on a aussi parlé de l'olympisme, de Terre de Jeux 2024. Qui est une vraie aubaine pour notre ville, parce que Terre de Jeux 2024, avec les Jeux Olympiques de Paris qui se préparent, ça veut dire que c'est mettre plus de sport pour tout le monde, ça veut dire que c'est mettre plus d'activité physique pour tous, et nous le but en tant que municipalité, c'est d'aller prendre cette belle opportunité et de pouvoir la décliner dans notre territoire pour nos habitants, et donc ce sont des points qui me semblent essentiels. Hier, on avait pu voir pour le Clos le Roi. Alors, je fais un parallèle parce que le Clos le Roi est aussi un site sportif, mais pas que. Et donc, tout est lié derrière sur les différents projets que mène la municipalité. Aujourd'hui, donc hier, le sport, des grands projets d'urbanisme. Aujourd'hui, sur la culture, sur la musique. Et ça démontre bien la volonté de la municipalité de pouvoir, sur différents pans, démontrer qu'elle est force de proposition et qu'elle souhaite monter des projets au plus loin pour les habitants et les habitantes de notre ville. On revoit là les images d'ailleurs du spectacle de danse qu'il y avait eu hier sur la scène, c'était juste ici. Et d'ailleurs, félicitons d'ailleurs quand même cette belle esplanade qui est quand même félicitée par tous ceux qu'on a pu voir. On ne vous a pas vu sur la scène en train de danser, Romain, je ne comprends pas, un grand sportif comme vous. Alors, c'est vraiment mon côté très humble qui m'oblige. Bon, heureusement que d'ici lundi, on devrait avoir encore des épisodes peut-être intéressants. Claire, alors Claire, le Filiatre, c'est magnifique que vous soyez avec nous aujourd'hui, même si Stéphane, on l'a excusé, parce que franchement, cette compagnie lyrique, les épopées, pour moi, les épopées, c'est grandiose, c'est l'aventure, c'est déjà rien que le nom des épopées. Oui. Vous allez déjà nous l'expliquer. Les épopées, ça renvoie à tous ces grands récits mythiques, évidemment, qui signifient que l'aventure qui a été commencée il y a une cinquantaine d'années autour du répertoire baroque, de redéfrichage du répertoire baroque, n'est pas terminée et qu'on peut continuer à interroger vraiment ce répertoire pour lequel on a des sources qui sont historiques du XVIIe siècle et qu'on continue à croiser avec des partitions qu'on retrouve dans une chose très vivante toujours. Donc vraiment, cette épopée, c'est une invitation au voyage, ces épopées. Alors, beaucoup de cinéphiles connaissent le film Aimez-vous Brahms. Vous, c'est même avant, puisque c'est Rameau, c'est Lully, on est dans les motets, on se plonge dans le temps. Je parlais de machine à remonter le temps tout à l'heure. C'est ça un petit peu les épopées. Les épopées, c'est effectivement ce répertoire-là du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec donc un ancrage très fort en région. Nous sommes implantés à l'association et est installée à Sens parce que Stéphane Fugé est originaire de Sens. Moi, je suis de Normandie, mais je suis arrivée ici par les voies de l'amour, voilà. Et je suis très heureuse d'être là. Donc, cette musique du XVIIe siècle, qui est à la fois de la musique sacrée, mais aussi de la musique
musique profane, puisque nous sommes également en résidence à Beaune pour 3 années au Festival international d'opéra de Beaune pour une trilogie d'opéra de Monteverdi. Donc on est vraiment sur le début du XVIIe siècle. Et nous sommes en train de réaliser une intégrale avec le label du Château de Versailles, une intégrale des grands motets de Lully dont vous parliez effectivement. Donc alors, on est sur musique sacrée, musique profane. Choisir Beaune, c'est bien parce qu'il y a des produits là-bas, paraît-il, du terroir pour travailler les cordes vocales, c'est l'idéal. Absolument, mais j'ai l'impression qu'à Sens, il y a quelque chose qui se passe sur la colline, pas loin, qui peut-être donnera quelque chose d'intéressant pour la voix aussi. Alors cette année, deuxième festival, ça sera programmé entre le 5-6 août et le 14 août, le oui. deuxième. Oui, absolument. Ça veut dire que le premier a forcément très bien marché. Le premier a très bien marché. C'était un grand pari de lancer un festival et une académie l'année dernière. Ça fait partie de notre volonté, parallèlement à un développement national et international, puisque nous sommes aussi pas mal à l'étranger avec les épopées, d'ancrage vraiment dans le territoire. Et donc, nous avons créé ce festival qui se passe entre Sens et Joigny, entre Sénonais et Jovinien, avec 7 concerts cette année. Il y en avait 6 l'an dernier, voilà. Et dont un concert à Sens, enfin, qui est d'ailleurs un bal baroque qui va clore le festival le 14 août sous la halle à Sens. Voilà, on est en train de finaliser ça. Comme l'an dernier, c'est une belle invitation à danser, y compris pour ceux qui ne connaissent pas la danse baroque. Madame Franz était là l'année dernière. C'est très, très amical, très convivial et on fait des prouesses. Alors, excusez-moi d'être un peu trivial, comment on dit vous concernant pour vous définir? Vous êtes une maître chanteuse? Ah non, je suis chanteuse spécialisée dans la musique ancienne, mais c'est vrai que je suis également depuis cette année professeure aussi à Sens, au conservatoire rayonnement intercommunal de Sens. Voilà, je suis très heureuse d'être là pour quelques heures et j'ai dans ma classe de chant des gens de tous horizons et je suis très justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le croisement des répertoires. J'ai 2 jeunes adolescentes, Tracy et Maëlle, qui sont peut-être par là, qui se reconnaîtront, voilà, qui ont 14 ans environ et qui amènent du répertoire de musique actuelle et que je travaille avec elles sur un mode sur une base de technique vocale lyrique, on va dire, parce que c'est intéressant de travailler ça pour le souffle, etc. Mais en échange, elles rentrent aussi dans mon répertoire et jouent le jeu de travailler du Mozart, du Bellini, du Vivaldi, et donc on est sur un échange comme ça des genres et des répertoires. Alors Véronique Franz le précisait tout à l'heure en préambule, je crois aussi ce qui vous caractérise, c'est la transmission, le savoir, former. On est réellement dans un système pédagogique absolu. Absolument, c'est une chose qui nous anime énormément, Stéphane Fugé et moi-même, puisque Stéphane est professeur au conservatoire à rayonnement régional de Paris. Donc voilà, il est professeur au sein d'une classe d'opéra baroque et de chef de chant. Et moi, j'enseigne donc depuis cette année à Sens, très peu, mais néanmoins toutes les semaines. Donc voilà, avec grand bonheur, quand je ne suis pas en tournée. Bon. Et nous avons également créé une académie, effectivement, parallèlement au festival, qui s'adresse plutôt à des jeunes chanteurs et instrumentistes qui sortent de conservatoires ou qui sont en fin d'études spécialisés sur le répertoire de musique ancienne et qui viennent travailler avec nous, puisque moi j'ai fait un travail assez spécifique sur l'ornementation dans la musique du XVIIe siècle français et italien. Voilà. Donc on a une 30aine de stagiaires chaque année. Pourquoi Saint-Julien-du-Sault? On a créé ça à Saint-Julien-du-Sault parce qu'il y a un patrimoine musical extraordinaire. Il y a un instrument, un orgue, qui date de 1568 et qui est une chose vraiment rare en France, avec une 20aine de tuyaux d'origine. Donc il y a une 20aine de tuyaux qui sonnent quand on joue le clavier et qui sonnent comme ça sonnait en 1568, ce qui est très émouvant. Voilà. Et donc on crée cette académie pour permettre à des jeunes de venir se spécialiser. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on croise aussi avec la population, puisqu'on propose également des ateliers de danse baroque ouverts aux habitants, dans lesquels ils peuvent côtoyer également nos stagiaires qui viennent d'un peu partout. Donc je parlais de voyage dans le temps, finalement on y est avec cette Véronique, une précision par rapport à tout ce travail. Non, je voudrais souligner l'implication de Claire Le Filiatre et de Stéphane Fuget dans cet objectif de transmission et d'ouverture à tous.
sur un sujet qui peut paraître, enfin sur un domaine, dans un domaine qui peut paraître un peu élitiste quelque part. C'est vrai que la musique ancienne, c'est quand même pas, notamment auprès des jeunes, un vecteur facile à développer. Et c'est pour ça que je voulais quand même rappeler le travail qui a été mené par Claire et Stéphane auprès des écoles, à travers des techniques de chant, finalement. Moi, j'ai vu ce travail et j'ai été totalement impressionnée parce que ça me semblait a priori très compliqué de faire adhérer de jeunes enfants à des domaines artistiques et notamment musicaux si éloignés de leur quotidien. Et là, j'avoue que ça a été vraiment un très, très beau travail, un très beau rendu, une très belle cohésion d'ailleurs de tous ces élèves autour de ce projet. On est intervenu pendant toute une année et on continue à intervenir encore cette année auprès de l'école des écoles d'Etigny et de Passy. Et effectivement, on a fait chanter à des enfants de CE1 et 2 et CM1 et 2 une très belle chanson qui s'appelle « Belle qui tient ma vie ». Et une des maîtresses était un peu soucieuse au début de se demander si les enfants s'y reconnaîtraient. Eh bien, je peux vous assurer qu'un an après encore, là j'y suis allée la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, les enfants me chantent encore cette chanson, qui est une chanson du XVIe siècle, comme si c'était une chose vivante pour eux, et ça l'est d'ailleurs. Donc c'est très beau de voir que finalement il n'y a pas d'a priori, et notamment chez les enfants, face à une œuvre d'art, face à une œuvre qui les touche, il n'y a pas de temporalité, si ce n'est que ça vient enrichir un imaginaire, enrichir une histoire personnelle pour chacun d'eux, et ça c'est assez bouleversant. On avait un petit garçon autiste, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les choses trop personnelles, mais il y a un petit garçon qui était un peu en difficulté au début et qui avait du mal à entendre la voix chanter, et qui a fini lors du concert avec mon oreillette dans j'avais une oreillette parce que je faisais aussi de la musique contemporaine, ce qui n'est pas simple, et je devais prendre des notes, et il avait l'autre oreillette dans son oreille et il chantait toutes les notes, et c'était pas facile, que je chantais en même temps que moi, et ça pour moi c'est une des choses les plus belles qu'on ait vécues. Alors Claire, à la fois chanteuse, musicothérapeute, fantastique, Nanou, est-ce que ça vous parle, cette musique du XVIe siècle? Est-ce que demain vous allez pouvoir vous inspirer de Lully, de Rameau, dans un prochain clip? Alors, je peux rien dire pour le moment à propos de ça, parce que je connais pas du tout, c'est pas du tout dans ma culture, mais c'est vrai que j'aime tous les styles musicaux, et par exemple, moi je suis une grande fan de Beyoncé, donc c'est vraiment l'écart, mais c'est pas trop moyenâgeux, hein, Beyoncé, quand même. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, la personne qu'elle est, les shows qu'elle fait, la puissance qu'elle met sur scène et l'énergie qu'elle a sur scène. Et depuis 2 ans, je suis dans une école de comédie musicale et j'ai découvert le style de comédie musicale, et c'est quelque chose qui m'a envahi complètement, et depuis je suis fan de comédie musicale et je m'y connais beaucoup plus au niveau de la comédie musicale. Donc évidemment, je suis sûre que si je m'y intéresse, ça me plaira, parce que de toute façon, la musique dans toutes ses formes, dans tous les styles qu'il y a, elle apporte des choses différentes qui du coup nous remplissent de manière différente. Voilà. Et nous font grandir aussi. Juste pour la petite histoire, l'année dernière, avec dans nos stagiaires à Saint-Julien, nous avions une jeune femme qui fait beaucoup de comédie musicale, en fait, qui s'appelle Marie Aupert, et qui est venue travailler avec nous sur le style baroque, parce que ça l'intéressait de travailler ça. Elle vient de rentrer, c'est une jeune femme très très douée, elle vient également de rentrer pensionnaire à la Comédie Française, en fait, là, elle a 25 ans. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, on croise. Ce qui est intéressant dans le type de démarche aussi que la ville de Sens fait, notamment au musée effectivement cette possibilité pour les jeunes de s'exprimer au travers du label que vous créez, c'est que on se rend compte que en fait des cultures qu'on pensait ne pas nous concerner nous touchent et sont accessibles. Et donc c'est intéressant d'avoir ces passerelles qui nous permettent d'y aller sans crainte, parce que parfois les lieux, un opéra, un théâtre, un musée, voilà, une église, parfois nous semblent des choses qu'on ne peut pas aborder parce qu'on est un peu démunis ou débordé par ce que ça peut véhiculer. Et en fait, ce sont des lieux pour nous aussi, pour tout le monde, pour chacun de nous. Alors Claire, vous parliez tout à l'heure des tournées, vous avez été à New Delhi, au Japon, à Moscou, à New York, en Australie. Oui. Comment faites-vous au niveau jet lags? Parce que vous devez être fatigué à un moment donné, il y a une recette, il y a un miracle. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes aussi fraîche après tous ces trajets en avion. Aussi fraîche, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait quand même 25 ans maintenant que je fais ce métier-là avec passion.
On a une chance inouïe. Alors, les épopées sont très jeunes, hein. Ça fait 4 ans que ça existe, mais effectivement, le succès que l'on rencontre, qui est assez, qui est très grand, est lié aux carrières que Stéphane et moi avons développées chacun de notre côté. On est évidemment, effectivement, c'est ce que je disais, très reconnus pour un type de travail que nous avons fait chacun dans notre côté. Parcourir la planète, c'est fantastique. C'est pas génial pour l'empreinte carbone, je pense, mais dès que je peux, je vous assure que je fais des voyages en train. Le dernier voyage en train que j'ai fait, c'était Brno, en République tchèque, jusqu'à Paris, en train. C'était un peu long, mais quand même, c'était bien, de temps en temps. Mais pour l'Australie et le Japon et les États-Unis, ouais, je prends l'avion. Le voyage en train, ça rappelle un peu le crime de l'Orient Express, là. Oui, exactement. Absolument. Bien, je pense qu'à la régie, nous allons peut-être faire un petit tour du côté de Lise et Marie pour prendre le pouls, la température d'un stand en direct de la foire, peut-être. Dans quelques instants, me précise-t-on, ce qui va nous permettre, avec Romain, puisqu'il a été abordé, ce fameux label municipal Larsen Records, hein, on le dit avec l'anglais, Records. Expliquez-nous un peu cette aventure, Romain. Ah, c'est une très belle aventure et j'ai beaucoup de joie et vraiment d'avoir pu porter ce projet. Alors, Larsen Records, c'est une idée à la base qui vient d'Arca. Arca, qui est le directeur du garage, qui est une des forces comme agent de notre municipalité. L'idée était de dire que nous avions déjà à Sens un très beau studio d'enregistrement. Le garage, équipé de manière professionnelle, avec donc différents studios où on pouvait donc faire l'enregistrement, le mixage derrière. L'idée était de pouvoir aller ensuite beaucoup plus loin. L'idée du label, c'est le principe de dire de pouvoir choisir des artistes locaux, jeunes ou moins jeunes, alors ça peut être une chanteuse, voilà, comme Nalou qui est à ma droite, des groupes, peu importe, qui ont l'envie voilà, d'aller dans l'excellence, qui ont l'envie du travail, qui ont envie d'aller au plus loin de leurs rêves, et de pouvoir leur mettre à disposition un label qui va les porter de A à Z. Donc aussi bien éventuellement dans l'aide à l'écriture, avec la mise en rapport avec des grands paroliers, des musiciens, pourquoi pas l'aide sur les arrangements, l'enregistrement, ensuite donc de faire tous les mixages, et puis ensuite la promotion du ou des titres. Donc on s'est structuré, on a Olivier Fraîche qui nous a rejoint, qui est le directeur de Larsen Records, et ensuite le but c'est, et on va vous en montrer un morceau avec Kenalou, ça va être demain de pouvoir, une fois que maintenant que son titre est enregistré, et d'ailleurs c'est une très très belle chanson, j'en suis très fier, comme notre premier artiste, de pouvoir ensuite l'apporter le plus loin qu'il est possible pour nous, donc de la mettre dans des festivals, de pouvoir la faire connaître auprès de tous les médias, de tous les radios, et si demain Nalou pouvait aller, et c'est tout ce que je lui souhaite, le plus loin possible dans son rêve, qu'elle devienne une grande chanteuse, ou en tout cas, quelle que soit son ambition derrière, mais d'aller le plus loin qu'elle veut, et que nous puissions la porter le plus loin que l'on puisse le faire, on aura tout réussi. C'est tout le but, la genèse de ce label. Je crois que vous fonctionnez bien en termes de lobbying, parce que le Larousse 2023, le nom de Nalou sera dedans. M'a-t-on dit, là, j'ai eu l'information il y a quelques instants. Une petite vidéo pour traduire justement, si la technique est prête, pour traduire ce qu'est ce label en images. Yeah.
j'ai peur de la nuit. Très belle illustration, mesdames, messieurs, de ce qui se passe vraiment dans cette ville de Sens. C'est fantastique. On se croirait presque dans les studios de Beyrouth. Mais c'était le but, bien sûr. Bon, j'en connais quatre qui ont enregistré dans les années 60, qui pourraient bien revenir faire un petit tour par ici. Enfin, les deux survivants, il va sans dire. Alors, puisqu'on parle de discographie, Claire, je voudrais quand même présenter face caméra ces deux opus, ces deux albums. L'un est sorti en février 2021. Comme par hasard ou pas, l'autre est sorti en février 2022, le 12 février pour être précis. C'est les œuvres de l'épopée, enfin, cette épopée fantastique autour de Jean-Baptiste Lully, qui reste quand même le ciment un peu de tout ce que vous faites. Alors, pas tout à fait, mais en tout cas, effectivement, c'est un des volets de ce qu'on fait. Cette intégrale est une demande du château de Versailles, où nous sommes en résidence. Et donc, nous faisons cette très belle intégrale des Grands Motets de Lully. On est une soixantaine à chaque fois sur scène. Difficile. L'année prochaine, on sera une centaine de musiciens sur scène. Il y aura en plus des épopées, le Centre de musique baroque de Versailles, avec les chanteurs du Centre de musique baroque de Versailles, qui sont à la fois des enfants, une maîtrise, et des chantres et des adultes. C'est une intégrale qui va se faire en 4 volumes. Le prochain sort en février 23. Voilà. Et nous enregistrons également les opéras de Monteverdi que nous faisons à Beaune et que nous reprenons à Versailles à l'Opéra Royal et dans la salle des croisades à Versailles. C'est également enregistré, ça sortira bientôt. Voilà. Alors, ce culte du février, c'est quoi ? C'est zodiacal, peut-être ? Je pense que c'est tout à fait un hasard, mais voilà, il y a un hasard de calendrier. Bon, le calendrier fait bien, donc on va patienter pour le février 2023. Alors, en juin 2022, là, sort justement le retour d'Ulysse de Monteverdi, qu'on a enregistré aussi à Versailles. Je n'ai malheureusement pas pu y participer parce que j'ai eu le Covid à ce moment-là, donc j'ai été remplacée au dernier moment. Ça fait partie des joies du Covid, et voilà. Alors, des disques que l'on peut trouver et acquérir comment ? Alors, on peut les trouver, je crois, sur le site du Château de Versailles, du label du Château de Versailles. Et puis sinon, Stéphane et moi avons enregistré énormément de disques qui sont trouvables à la FNAC. Voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai enregistré beaucoup de disques avec un ensemble qui s'appelle Le Poème Harmonique, qui sont trouvables un peu partout. Voilà. Voilà, donc à mettre dans toutes les bonnes oreilles. On va retrouver Lise et Marie qui sont sur un des stands de la foire, bien évidemment. Je crois que c'est le diamant du cabaret. Le diamant bleu, c'est ça. Vous arrêtez de le dire ? Pardon, oui, bonjour. Ah, bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc pour ce deuxième jour de la foire dédié à la musique, nous sommes avec Stéphane du cabaret Le Diamant Bleu. Donc je vais le laisser se présenter. Ça fait 7 ans qu'il est sous la foire avec nous et il va nous parler de ses premiers jours de foire. Bonjour, oui, alors je suis donc Stéphane, le responsable commercial du cabaret musical Le Diamant Bleu à Barville en Gâtinais. Voilà, on organise donc depuis plus de 19 ans maintenant des déjeuners, dîners, spectacles dans le pur esprit du cabaret musical. Donc à Montargis, hein, donc on a une heure environ de Sens, donc un très très beau cabaret musical. Et donc oui, on est présent donc sur la foire de Sens depuis quelques années maintenant. Bon, après une coupure, comme tout le monde le sait, depuis presque 2 ans. Mais voilà, on est content d'être revenu sur la foire et de pouvoir profiter, de revoir notre clientèle et puis de pouvoir se faire découvrir par de nouveaux clients. Oui, alors Stéphane nous disait également qu'ils étaient très fiers dans leur entreprise de venir à la foire de Sens
parce que cette foire qui est extérieure est une des rares encore à être maintenue dans ce système. Je vais repasser la parole à Stéphane qui va nous expliquer ça. Oui, alors j'ai l'occasion de faire quelques foires, que ce soit dans d'autres départements. Et en l'occurrence, c'est vrai que la foire de Sens fait partie des très belles foires. Pour moi, c'est l'une des plus belles foires. C'est extrêmement agréable. En plus, on a la chance d'avoir un beau temps cette année. Donc ça permet vraiment de pouvoir profiter, de revoir les clients avec une belle ambiance. Tout le monde est détendu. Donc ça, c'est vraiment le fait de profiter d'une foire en extérieur. C'est quand même complètement différent et on est vraiment content de pouvoir revenir et puis de présenter le diamant bleu dans cette belle foire de Sens. Donc on va remercier Stéphane du coup pour sa présence sur la foire. Est-ce que vous avez une question Thierry avant qu'on vous rende la parole? Oui, une petite question pour Stéphane. Quels sont un peu les ingrédients intéressants qu'il propose au sein de son cabaret? Qu'est-ce qui nous attirerait là pour y aller dès ce soir, par exemple? Alors au Diamant Bleu, donc c'est un établissement qui a 19 ans d'existence. On va fêter nos 20 ans l'année prochaine, donc en 2023. Et en fait, c'est un cabaret qui fait des déjeuners et dîners spectacles. Donc on organise des déjeuners et dîners spectacles du jeudi au dimanche, le jeudi midi, vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. Et donc le spectacle, hein, donc on change de spectacle tous les deux ans. Et là, en l'occurrence, c'est Mascarade, le nouveau spectacle du Diamant Bleu. Donc c'est un spectacle qui allie l'art du transformisme avec des danseurs, des danseuses, des numéros artistiques, de la magie. Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. C'est 1h45 de très très beaux spectacles avec de magnifiques costumes. C'est extrêmement coloré et je pense qu'on en a tous besoin. On a besoin de faire la fête, de penser à autre chose, de déconnecter. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour oublier tout ce qu'on vient de vivre et profiter d'un spectacle comme Mascarade, qui est le spectacle donc du Diamant Bleu. Alors une dernière question pour Stéphane. Merci Stéphane. Du coup Thierry, je vous rends la parole et on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième stand. Bon, j'avais une dernière question, c'est pas grave, elle restera en suspens. Voilà, vous l'avez dit, Romain. Alors Nalou, on a vu ce label Larsen Records, 19 ans. C'est ça. Exactement. Quelle chance vous avez, vous, quand même. Parce que avoir Boris Bergman, qui a lancé les Aphrodite Childs en 68, Rain and Tears, qui a travaillé avec Dalida, qui a travaillé avec Nicoletta, qui a travaillé avec Juliette Gréco, Alain Bashung, Eddie Mitchell, et qui travaille avec Nalou. Bah oui, c'est une vraie chance. Et tout ça, c'est en partie grâce à Arca, du coup, qui m'a présenté à Boris Bergman et qui a très gentiment voulu collaborer avec moi. Et qui a écrit ce très beau texte du coup de ma chanson On. Et oui, c'est un réel plaisir en plus de l'avoir rencontré. On a dialogué sur nos idées par rapport à la musique et c'est toujours hyper hyper intéressant de dialoguer avec quelqu'un qui a autant de passif dans la musique et qui a autant travaillé avec des personnes quand même très très connues dans la musique française. Donc c'est génial. Alors vous, par contre, vous êtes une véritable saltimbanque, parce que ce qui vous arrive là, c'est pas par hasard. Deux apparitions dans le cinéma, dans le monde du cinéma. C'est ça. The Voice Kid en 2015. Exactement. Donc on est dans un parcours tout à fait naturel. Romain le disait tout à l'heure, vous allez aller très loin. Certainement, la nouvelle Madonna de Lyon, elle est là. Vous êtes né comment? Vous êtes tombé dedans comme Obélix dans la potion magique? Alors, j'ai de la chance d'avoir des parents qui écoutent beaucoup de musique. Donc forcément, j'ai été baignée dedans depuis que je suis toute petite. Et j'ai aussi participé à des concerts à la Maison des Jeunes de Gron, qui m'ont fait aussi baigner dedans avec des musiciens qui avaient le même âge que moi et qui eux aussi étaient passionnés de différents instruments. Donc du coup, j'ai pu grandir avec la musique, ce qui m'a permis de me faire mon propre style, donc exactement d'aimer tous les styles qui puissent exister. Et puis, on va dire que j'ai toujours pensé que c'était vraiment ce pourquoi j'étais faite. Enfin, je ne me vois pas faire autre chose que de la musique, clairement pas. Alors, tous les styles de musique, on l'a vu. Puis alors, maintenant, vous allez rajouter à votre panoplie Rameau et Jean-Baptiste Lully. Exactement. On en prend tous, on est tous témoins, n'est-ce pas, Claire?
Quel regard vous avez, voilà, chiche, quel regard clair vous avez sur cette carrière qui débute? Mais c'est magnifique, et puis elle est très très, on la sent très passionnée et très pleine de talent. Donc c'est très joli de voir ça. Et c'est très joli qu'il y ait effectivement la possibilité d'être accompagnée comme ça. Bravo. Véronique. Je pense que ça va au-delà de la remarque anecdotique. Je crois que c'est aussi une de nos ambitions à Romain et à moi et à l'ensemble de la municipalité de créer des ponts entre des disciplines qui, a priori, s'ignorent. Alors, effectivement, là, vous êtes sur deux registres musicaux très, très éloignés, mais les rencontres sont possibles. Là, on l'a vu sur des scènes nationales et notamment à l'Opéra Bastille, il n'y a pas si longtemps, des troupes de danseurs hip-hop accompagnés Rameau. Et ça fait aussi partie des projets que l'on souhaite supporter et encourager, justement, ces rencontres improbables qui permettent à des jeunes de découvrir d'autres champs artistiques qui, a priori, ne les attirent pas. Et ça permet aussi à des artistes plus âgés de comprendre aussi tout ce que cette jeunesse et cette nouvelle façon de s'exprimer peut leur apporter. Donc les ponts entre des disciplines qui a priori doivent s'ignorer, moi je crois qu'ils sont possibles et on veut les encourager. C'est bien. Oui, si je peux rebondir, oui, là-dessus, Claire. C'est que j'ai énormément d'amis ou d'étudiants en fait qui étaient sur scène à l'Opéra Bastille pour ce spectacle des Indes Galantes dont vous parliez, et la confrontation était vraiment des deux côtés, c'est-à-dire que les danseurs de Crump qui dansaient là sur scène sur du Rameau ont été très bouleversés par le fait d'avoir des chanteurs lyriques à côté d'eux, puisqu'en fait la puissance des voix non amplifiées avec laquelle qu'on a appris à amplifier dans son propre corps et dans le résonateur est extrêmement puissante. Donc les danseurs étaient très bouleversés par ça, et les chanteurs qui étaient sur scène étaient également très émus de toute cette énergie de la danse sur Rameau, de cette danse urbaine, contemporaine. Et donc le pari était complètement réussi, et en plus le public était bouleversé de ce spectacle. Donc fois haute compte, je crois, et à la fois champion de hip-hop, Joseph, oui, Jakub Jakub Orlinski, avec exactement. Lequel Stéphane a joué et joue régulièrement. Incroyable. Oui, c'est vrai. Effectivement, ça se passe de commentaires, mais Romain en a un précisé. Justement. Alors, quand on parlait de pont, là, on parlait même de pont entre des styles musicaux différents, des styles culturels différents, mais on peut même, sur des domaines, les valeurs du sport, les valeurs par exemple de l'olympisme, c'est l'excellence, le respect, c'est l'amitié, mais ce sont absolument les mêmes valeurs que l'on retrouve dans tous les domaines. Donc artistique, l'excellence que l'on cherche dans le sport, c'est l'excellence que l'on cherche aussi à travers ce que fait Madame, ce que fait Nalou, d'aller au plus loin de ce qu'ils peuvent. L'amitié, la solidarité, le respect, ce sont des valeurs qui en fin de compte sont universelles et vont bien au-delà du sport ou de la culture. Mais les passerelles, elles sont là, d'où le fait qu'on soit, et Véronique et moi, autour de la table aujourd'hui pour parler de tous ces, de tous ces sujets. C'est ce qui nous rapproche. Et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui en fait un peu le sel et la beauté. Alors vous parliez tout à l'heure, Romain, d'Olivier Frèche, qui est le directeur de ce label, qui est en pleine expansion. C'est aussi un excellent guitariste, en effet. Olivier. Et il est justement aux côtés de Nalou pour nous interpréter cette chanson. Je crois que c'est On, bien évidemment, hein, puisque nous sommes là. Donc on apprécie ce moment de poésie, de douceur avec Olivier et Nalou. C'est à vous. De pierre d'hier, oh, mais qui sait, oh.
le monde des grands, abonnés absents, sont partis depuis longtemps. Pourtant, j'entends des voix pauvres jeunes, on dit qu'elles nous. Depuis l'âge de pierre d'hier, mais qui sait, c'est un mot qui sonne comme tout le monde ou personne. Les jours il y a mal donne, la nuit où c'est pas la bonne, chez le voisin d'à côté. Mais qui sait, c'est un mot qui sonne comme tout le monde ou où il y a mal donne, la nuit où c'est pas la bonne, chez le voisin d'à côté. Merci beaucoup, merci Olivier. Voilà, c'était Nalou accompagné d'Olivier Fraîche. Bravo Nalou. Merci beaucoup. Bon, un premier concert en live, là. Quelle est l'impression tout de suite là à chaud? Pardon? Le concert tout de suite donné en live, quelle est l'impression? C'est très très agréable de chanter à Sens ici et puis avec un super guitariste. Merci beaucoup Olivier, franchement c'est très agréable. Et un plaisir de travailler avec Larsen Records de toute façon, ça depuis le départ, Arca et tout le studio, tous les gens de la mairie, c'est super franchement. Les projets, quels sont-ils, Nalou? Maintenant, il y a des scènes qui vont arriver? Il y a des concerts? Alors, je travaille en ce moment avec Blackjack Chromosome, du coup, le groupe avec Axel, que nous avons vu tout à l'heure dans la présentation des artistes de Sens. Et également, je me produis à Paris. Donc ça, je ne sais pas si c'est très important pour... Si, on peut le dire. Mais je me produis à Paris dans un spectacle de comédie musicale qui s'appelle Sister Act, avec mon école, le PCM. Voilà, et c'est le 22 mai à 19h au Théâtre 14, si jamais il y a des Sénonais qui veulent venir un petit peu à Paris. Voilà. Le 22 mai, on a bien noté, merci à vous, on a bien noté cette date, ce rendez-vous. Véronique, on reste sans voix finalement après une telle prestation. On a quand même envie de donner de la voix. En tout cas, je crois que Nalou, Lou résume tout à fait l'ambition de la ville. Certes, on s'occupe du quotidien des gens, de la qualité de vie, mais on s'occupe aussi beaucoup de la ville de demain et donc de notre jeunesse. Et je crois qu'on vient d'avoir un magnifique exemple de l'ambition qu'on porte. Alors là, à travers la discipline musicale et le chant, mais n'oublions pas également tout ce que la municipalité est en train de forger, de mettre en place pour cette jeunesse, que ce soit à travers les ateliers que les espaces savinien proposent, autour notamment des techniques de vidéo qui intéressent tant les scolaires, les jeunes. On essaie de les aider aussi à se professionnaliser autour de ça. À travers les dispositifs que l'on met en place dans la formation, et là je rappellerai tous les efforts portés par ma collègue Clarisse Quentin avec l'Amphi, tous les efforts portés par notre collègue Pascal Larcher dans le domaine de la petite enfance et des jeunes scolaires, où le sport et surtout la culture sont présents et de plus en plus présents. Donc je crois que c'est toute l'ambition, effectivement, que résume Nalou, c'est toute l'ambition que porte la municipalité, la jeunesse, puisque ça sera la ville de demain. La jeunesse, quel beau mot, forcément. Alors je pense, je me retourne vers la technique, on devrait rester dans une douceur, il y a un insecte qui vient de passer, là j'ai fait éborgné par un frelon, pas asiatique. Une petite douceur au niveau du miel, avec la chronique de notre ami Gauthier Pajonat, qui est un illustre épicurien que tout le monde connaît forcément. Alors, le nom de la chronique, on va voir qu'on est toujours dans le musical. Joe Cocker, forcément. Vous voyez un peu l'emblématique, ça c'est pour les puristes de Woodstock. Donc on devrait retrouver cette petite chronique autour du miel, le miel de Villiers-Louis, si la technique peut envoyer la vidéo. Bonjour, vous avez vu comme il est chouette ce petit lavoir?
c'est le paradis des baigneurs lorsqu'il fait beau. Bienvenue à Villiers-Louis, un chouette petit village de 500 habitants, à l'est de Sens, et pas très loin de Villeneuve-l'Archevêque et de l'Aube. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir un monde de douceur. Oui, mais de la douceur 100% naturelle, sans produits chimiques. Venez avec nous. On avait parlé de sucre naturel, et pour cause, nous avons la chance aujourd'hui d'être chez un bel apiculteur, chez Julien Henry. Bonjour Julien. Le mieux, c'est toi qui vas te présenter. Eh bien bonjour, nous sommes à Villiers-Louis, on est sur le Nord Saisonnais. On est sur une exploitation agricole d'environ 800 ruches et on a aussi une partie cidre où on a à peu près 3000 pommiers qui sont en train de grandir. On a déjà une production qui est en cours avec des jolis produits. Donc on commercialise nos produits sur le marché de Sens et on a également 5 marchés par semaine. On distribue toute notre gamme, le miel, les madeleines, les meringues, le pain d'épices. Et on n'oublie pas le marché de Bray-sur-Seine où ton épouse Céline se tient sous cette belle halle. Absolument, parce que je ne travaille pas tout seul. En face, un joli tripier d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir une jolie femme, Céline, avec deux salariés, et on fait aussi le marché de Bray-sur-Seine, donc le vendredi. Ça fait combien de temps que tu es installé ? 23 ans. Ah, c'est pas rien. Bon, apiculteur, on va le dire, c'est un métier passion. C'est la passion. On n'est pas malheureux, mais c'est des heures à rallonge, des journées incroyables, et puis surtout la météo qui fait tout. Quoi. Voilà, notamment cette année, on va le dire, souvent la saison apicole, c'est entre les mois de mars et août, et il faut que rien ne perturbe ces cinq mois de déroulement. Pour faire du miel, il faut des fleurs. Et les fleurs, il faut qu'elles oscillent entre les premières gelées, le deuxième coup de froid qui nous vient maintenant un peu habituellement après un mois de période printanière, c'est un peu celui-là qu'on redoute le plus, parce qu'il vient détruire les fleurs de la mielée. Donc là, on espère que ça va s'arranger, mais là, c'est vrai qu'on a un printemps un peu tardif et on a hâte que ça se mette en route. Si tu devais parler d'un miel représentatif de Lyon, lequel citerais-tu ? Le miel d'acacia. Ah oui, voilà. Le miel d'acacia. Avec ses belles floraisons et ses fleurs d'acacia qu'on peut même faire en beignet. Absolument. Hein ? Et l'astuce du beignet, c'est quoi ? Bah, c'est que ça croustille. C'est de mettre les fleurs d'acacia dans de l'eau de vie. Ah, voilà, ça va être bien bon. Alors justement, parlant d'eau de vie, et puis avant de se quitter, donne-nous le nom de cet antique bistrot de Villiers-Louis qui a existé pendant des années et qui a versé des générations d'habitants. Toujours maintenu avec Madame Denis, et c'est l'assurance contre la foi. Tout un programme, vous l'aurez compris. Merci Julien. À bientôt. Voilà Gauthier Pagenat qui nous a fait savourer d'aise avec son miel. Je parlais d'une douceur dans la voix. Gauthier, c'est épicurien. C'est toujours un plaisir de l'écouter. On revient à cette douceur musicale proposée par Nalou, Romain. Oui. Vraiment, là, on voit toutes les potentialités de ce projet de label. Enfin, ce n'est plus un projet, c'est réellement un concept. Et effectivement, ça va aller encore plus loin. Alors ça va aller encore plus loin, donc j'invite, alors d'abord je reviens quand même sur ce qu'a fait Nalou, sur la fraîcheur de son titre, sur, je trouve aussi, ses paroles sont très belles, donc j'invite tous les gens qui nous regardent à aller revoir son clip et aller la réécouter. Alors pour ça c'est facile, Larsen Records, il y a un accès, il y a une page Facebook, une page Instagram, il y a une chaîne sur YouTube, et puis sur le site de la ville, donc voilà, pour pouvoir retrouver un peu toutes les nouveautés, tout ce que fait Larsen Records, et à l'instar de cet artiste, de Nalou, pour inviter aussi toutes les personnes qui souhaitent faire partie de l'aventure Larsen Records, de pouvoir éventuellement avoir tout ce staff derrière, parce qu'on a bien vu quand même, c'est un label, mais pour faire un label digne de ce nom, c'est qu'il faut se structurer avec des vrais professionnels. On a déjà un studio de qualité professionnelle, du vrai matériel. On a des gens comme Olivier Frech, comme on a pu voir, qui a plus d'une corde à son arc et sans mauvais jeu de mots par rapport à la guitare. Donc ce sont des gens qui sont aujourd'hui complètement professionnels, qui ont une véritable expertise. Donc rejoignez, si vous le souhaitez, l'aventure Larsen Records. Venez sur tous les réseaux sociaux pour nous trouver. Et à très bientôt par rapport à ça. Alors, plusieurs cordes à l'arc, ça donne une harpe, hein, pour rester dans la dominante musicale. Juste un dernier point, Romain, forcément, oui. Il faut des partenaires, il faut des mécènes, il faut des sponsors.
Économiquement, il y a un modèle, forcément. Non, pour l'instant, c'est un label 100% municipal. La municipalité a voulu se doter, justement, d'un véritable service qui... Alors, ne dépend pas de mécènes ou autres, parce que ça veut dire qu'il faudrait aller tous les ans un peu à la pêche et ça pourrait mettre en péril le projet. C'est un projet à long terme, c'est un projet pérenne pour notre ville, donc il est entièrement maintenant intégré au service de la ville. Après, si des mécènes voudront aider des artistes par ailleurs, pourquoi pas, mais il n'y a pas besoin dans le cadre de notre label aujourd'hui. Bon, on passe le message quand même, s'il y a des généreux donateurs, on ne va pas les refuser. Voilà, je me retourne vers la technique qui doit nous envoyer quelques images normalement. Alors non, il n'y a pas d'image. Ah oui, c'est le direct foire avec Lise et Marie, c'est ça? Eh oui, Lise et Marie, qui sont donc avec Air Passion, logiquement. Lise Thierry, et Marie. Alors nous sommes avec Jean-Claude de Air Libre Passion. Donc il va nous expliquer son activité de baptême d'avion. Je vous le passe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Oui, je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on fait sur la foire de Sens, de la troisième fois que l'on vient donc présenter Air Libre Passion sur cette foire de Sens. Et oui, nous avons quand même des appareils qui sont un petit peu spéciaux parce que on a l'autogire où on invite bien sûr les personnes à venir nous rendre visite pour acquérir des baptêmes de l'air qui durent 20 minutes en l'air, en sachant que cet appareil peut voler à 130, 150, voire jusqu'à 200 km/h. Donc il y a de quoi faire visiter le tour de Sens, voire la tour Eiffel, mais vraiment la cathédrale, et voir beaucoup de choses autour de Sens que l'on ne voit pas, bien sûr, quand on est à terre. Donc j'invite les personnes à venir nous rendre visite, prendre des baptêmes de l'air qu'ils pourront effectuer, bien sûr, lorsqu'ils voudront, à l'heure qu'ils voudront et le jour qu'ils voudront, que ce soit le week-end ou en semaine. Voilà, donc Air Libre Passion, c'est le seul professionnel qui se trouve sur la plateforme de Gisy-les-Nobles qui est à 2 km de Pont-sur-Yon, que je pense beaucoup de personnes connaissent, puisque c'est le seul aérodrome qui se trouve dans le Sénonais. Donc venez nous rendre visite, ce sont des professionnels qui sont à votre service toute l'année, il n'y a pas de jour de fermeture. Voilà, donc je te repasse le micro. Oui. Jean-Claude nous a également dit qu'il y avait un jeu concours, donc en fait sur la foire de Sens il y aura un baptême de l'air à gagner. Je vais repasser la parole à Jean-Claude pour qu'il nous explique. Voilà, je ne connais pas encore les conditions, puisque c'est la personne qui va tourner sur l'animateur qui tourne sur la foire, qui va venir me rendre visite et on va mettre au point justement un baptême de l'air à gagner. Et actuellement, même en acquérant deux baptêmes de l'air sur le stand, eh bien, vous avez la possibilité, avec ces deux baptêmes, eh bien, d'avoir un repas gratuit qui est offert par le restaurant Le Phénix, un tout nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Donc, il y a une petite publicité pour ce restaurant. Vous pouvez vous y rendre. C'est Le Phénix, c'est rue Thénard. Et bien sûr, pour deux baptêmes acquéris à ce stand, eh bien, vous avez un repas gratuit avec l'apéritif, bien sûr. Je vais vous poser une toute petite dernière question, Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'appelle, l'appareil qui est derrière nous, et nous en parler un petit peu plus? Voilà, alors l'autogire, c'est donc un petit peu comme l'hélicoptère. Disons qu'il n'y a pas trois pales, il n'y en a que deux. Hein. Alors, sachant que la pale du haut, de toute façon, n'est pas motorisée. Elle n'est motorisée que lorsque on décolle. D'accord ? On la met bien en route et après l'appareil se lève. Et dès que l'appareil est levé, eh bien, elle se décroche toute seule et elle tourne toute seule comme une éolienne. Donc elle vous maintient en l'air en sachant qu'il y a juste le moteur. Même si le moteur s'arrête, de toute façon, les pales continuent à tourner et vous allez descendre à la verticale. C'est pour ça que c'est un appareil très sûr. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et bien, à demain, Thierry. Et puis, bon après-midi à tout le monde. Merci Lise et Marie pour votre travail direct terrain des grands reporters au cœur de la foire, vous l'avez compris mesdames, messieurs, avec cette belle expérience d'Air Passion, Air Libre Passion et Jean-Claude. Alors on a changé un petit peu notre plateau d'intervenants puisqu'on va aussi s'intéresser, c'est une autre musique mais c'est celle de l'environnement et j'ai le plaisir d'accueillir Éric Briffaut.
La société Coved, alors Coved on ne présente plus, oui. le spécialiste du traitement de déchets, de recyclage, enfin, qui est un gros faiseur sur ce segment d'activité. J'ai également le plaisir de recevoir Christophe Picard, qui est à la tête d'une structure qui s'appelle Tricycle. C'est ça, tout à fait. Alors, j'aime bien ce mot parce que tricycle devient cricycle, cri Christophe. C'est ça. Je pense qu'il y a quand même une cause à effet là. Expliquez-nous. C'est de là que ça vient, oui, tout à fait. Bonjour. J'ai créé mon atelier de réparation. Je travaille à domicile et je répare des vélos. Je suis technicien diplômé et je vends de la pièce détachée et de l'accessoire vélo. Dans une optique aussi de, je vois la Coved en face de moi, recyclage et remettre en route tout ce qui est pièces détachées et vélos d'occasion. On va y revenir et puis bien sûr Magali Contudo, l'incontournable Magali, la fabrique entreprendre, le Star Weekend fabrique, encore un événement exceptionnel Magali. Oui, merci, bonjour à tous et bonjour Thierry. Oui, on va avoir une programmation prochaine assez intéressante. Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de passer encore un bon petit moment ensemble. Alors je me retourne vers Eric Coved. Il y a des nouvelles consignes au niveau de la sélection, du tri, de la collecte. Plus 10% de collecte en plus, tout à fait. Si je ne m'abuse. Ces nouvelles dispositions, elles sont mises en application depuis peu. Alors, en fin de compte, les plus 10% sont dus au passage en extension des consignes de tri du Grand Sénonais en 2019, ce qui a permis l'élargissement des déchets captés et valorisés, notamment tout ce qui est peau, barquette et film. Voilà. Alors, c'est des nouvelles consignes qui sont mises en application, peut-être suite à un partenariat qui a été officialisé. Je n'entends rien. Voilà, il y a des soucis oui. De son de nouveau. C'est un partenariat qui a été lancé avec l'éco-organisme Citeo et l'ensemble des collectivités adhérentes au centre de tri d'Ormois. Pour cela, le centre de tri a subi une importante modernisation, justement pour trier et valoriser encore plus de déchets issus des ménages, en juin 2016. Au 31 décembre 2021, l'ensemble des collectivités adhérentes au centre de tri étaient en extension des consignes de tri. On a trié 30 000 tonnes sur le site. Alors un petit mot de présentation, vous m'entendez bien là Eric, j'essaie d'articuler le plus possible. On va le faire en braille, vous allez lire sur mes lèvres. On va essayer. Et je vais faire des signaux comme ça parce qu'on est l'un à côté de l'autre, mais c'est ça les joies du direct. Tout à fait. Contrairement à des émissions enregistrées que l'on voit préparer. Sur certaines chaînes, je ne citerai pas les noms. Donc nous sommes en direct vraiment. Un mot sur Coved, sur cette société, cette structure, parce que finalement tout le monde connaît, mais je ne suis pas sûr que si on faisait un micro-trottoir autour de Coved, on sache vraiment ce qui s'y passe. Alors, Coved fait partie du grand groupe PAPREC, qui est leader français sur le métier du recyclage et la valorisation des déchets. Et sur le territoire de Lyon, nous avons des équipes de collecte, notamment sur Sens, et un centre de tri dédié au tri des déchets ménagers. Alors, on sait que Coved, c'est Ormois, c'est le siège, c'est le bastion, le vaisseau amiral. Non. On est partout. On est partout dans Lyon, mais oui, on va dire que le vrai bastion, un des bastions aujourd'hui dans Lyon, c'est centre de tri d'Ormois, mais pour la collecte sélective. Après, on a une entité sur Sens qui est, eux, dédiée principalement à la collecte des déchets. Alors, je parlais d'Ormois parce que j'ai eu l'occasion, en qualité de journaliste, de l'avoir visité, et je sais qu'on y fait un travail exceptionnel. Plus sérieusement, c'est important d'être toujours en train de répéter des messages sur ce tri sélectif, de passer, de faire de la pédagogie finalement, parce que c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose, on trie pas, on trie sans le savoir, mais il y a quand même des choses bien spécifiques dans le tri. Tout à fait, et il ne faut jamais arrêter de communiquer. Le monde du déchet évolue, les emballages mis sur le commerce évoluent également, et surtout, communiquer permet d'éviter les erreurs de tri. Hein, aujourd'hui, des erreurs de tri, on retrouve encore dans la collecte sélective du verre, du textile, du déchet dangereux, et notamment on retrouve encore des seringues. Donc tous ces déchets-là peuvent causer des accidents de travail à nos collaborateurs qui sont en cabine de tri pour trier la matière, et également on peut se retrouver à avoir des casses matérielles et des arrêts de production très coûteuses,
puisque nous recevons du déchet qui et des désindésables qui ne sont pas admissibles par nos process. Donc ne pas respecter ces procédures de tri, Eric, ça a forcément un impact, des impacts, à la fois sur votre travail, on l'a bien compris, et vos collaborateurs, mais aussi sur toute la filière. Alors sur toute la filière, mais aussi pour vous, pour le Grand Sénonais et pour les collectivités. Plus il y a d'erreurs de tri, plus ça coûte cher à la collectivité et aux habitants. Alors, est-ce qu'il y a encore des réfractaires au tri ? Est-ce qu'on sait qu'on est gaulois dans l'âme ? Voilà, nous sommes en France. Nous sommes en France. Peut-être encore plus dans le Sénonais qu'ailleurs, j'en sais rien. Je vois que Romain me dit oui. Non, je blague. Est-ce qu'effectivement... Non, il n'a rien dit. Il y a encore des réfractaires au tri. Comment il faut convaincre ces gens-là de la nécessité de trier ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait des réfractaires, peut-être plus ou moins, mais... Je pense que le citoyen a envie de faire le bon geste et ne sait pas forcément quel geste des fois il doit faire. Est-ce qu'il doit mettre ce déchet ménager-là dans le sac ou le bac jaune ou dans la poubelle noire ? Et je pense que c'est là où il faut vraiment insister sur la communication et une communication fluide et facile pour l'habitant. Il faut aider le citoyen à trier. Justement, Romain, au niveau d'une collectivité telle que le Grand Sénonais ou la ville de Sens ou toutes les communes qui sont référencées au sein du Grand Sénonais, la pédagogie, la communication, c'est extrêmement important. Comme dans tout, parce que ça implique... Alors, je pense... Pour faire un peu écho, aujourd'hui, tout le monde a quand même conscience, les jeunes, notamment quand on parlait des jeunes, mais des moins jeunes aussi, de l'importance aujourd'hui du respect de notre environnement, de notre terre. Mais comme pour tout, le changement n'est jamais quelque chose toujours d'évident. C'est-à-dire qu'il faut l'accompagner, il faut reprendre des nouvelles. Ce sont des habitudes en fait, qu'il faut qu'on casse, des mauvaises, remettre des nouvelles habitudes en place, refaire de quelque chose qui peut paraître comme une contrainte, un geste quotidien qui n'en devient plus un. Et on le voit bien quand on remonte. Alors, je ne suis pas un spécialiste forcément du tri, mais quand on remonte à l'origine, au tout début, on voit bien la différence depuis quelques années, parce que ça rentre dans les mœurs, parce que nos enfants, moi je suis papa j'ai 3 enfants, et je m'aperçois que nos plus jeunes aujourd'hui sont sensibilisés à l'école, sont sensibilisés dans différents endroits, et d'eux-mêmes, parfois, nous rattrapent un peu en disant non, le verre c'est pas là, c'est là, le papier c'est ici. Donc, on travaille tous pour nous en le faisant. Alors évidemment, on peut voir l'aspect purement financier en disant que si on ne trie pas très bien, cela va impliquer des coûts derrière. Mais je pense que tout le monde a quand même conscience qu'aujourd'hui, dans la planète dans laquelle nous sommes, c'est une question aussi de respect entre nous et de respect de notre planète. C'est une question d'habitude, mais les choses se font. Mais la pédagogie, comme à chaque fois, de toute façon, est nécessaire. Un dernier point, Eric, qui a aussi un centre de tri de nouvelle génération qui est en train de se préparer. Tout à fait. Il y a un gros projet mené par le groupe Paprec Coved, ce nouveau centre de tri à Venoy, près d'Auxerre. Centre de tri dernière génération avec les dernières technologies pour pouvoir trier 45 000 tonnes de déchets collectés sélectifs sur 2 postes. Donc, projet très ambitieux et très important pour Lyon. Très bien, merci de cette précision. Je pense qu'on va voir une petite vidéo qui va introduire le sujet suivant concernant tricycle, pas tricycle, ça serait le monde de l'enfance, mais tricycle, c'est le monde de l'environnement. Bon, je vais chercher le passe. Ça va. Prends ton vélo, c'est une question de bon sens. Là aussi, c'est une question de bon sens. Donnez du sens à vos petits déplacements. Pensez mobilité active. Voilà, pensez mobilité active, ça on dirait carrément une phrase d'un extrait d'un programme politique, mais on n'est pas dans la politique, Christophe, aujourd'hui avec Tricycle. Alors finalement, c'est faire du neuf avec du vieux. On reprend son vieux biclou, on le retape, on le rénove. On le remet en circulation, c'est ça le principe ? Alors le principe, oui, bien sûr, c'est ça. Moi, au travers de mon activité de réparation vélo, je m'inscris aussi dans une idée durable et environnementale, grâce notamment à un partenariat avec l'agglomération du Grand Sénonais, où les agents mettent de côté les vélos qui arrivent en déchetterie. Moi, je viens récupérer et soit je désosse quand c'est irrécupérable dans la totalité. Et ça arrive régulièrement, il y a des vélos où il n'y a
pas beaucoup à faire pour le remettre en circulation, ben, je répare et je remets en circulation. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un docteur du vélo ? Docteur, les études sont moins longues que pour être docteur, mais peut-être dans le fait d'apprendre toute sa vie avec un métier qui évolue, avec une technologie qui évolue. Oui. Doctocycle, ça aurait pu être aussi le nom de l'atelier. Alors attention, parce qu'il y a eu Doctolib, mais ça nous ramène à des souvenirs un peu plus funestes, si je puis dire. Donc, reprendre des anciens vélos, les relancer. Alors ça tombe très bien, parce qu'on sait qu'avec les différentes crises, et je faisais allusion à celle du Covid qui nous a pénalisés pendant 2 ans, beaucoup de retard de conception de vélos dans les marchands de cycles, où des commandes vont se différer avec les délais. On trouve ça aussi dans le monde de l'automobile. Reprendre son vieux vélo, le remettre finalement, le relooker, c'est la solution. Oui, c'est la solution. Puis ça s'inscrit un petit peu dans une idée, on va dire, culturelle, entre guillemets, en ce moment, hein, avec le vintage. On ressort les vélos des grands-parents ou des parents, et puis on remet en circulation. Alors, il est vrai que récupérer de la pièce détachée au travers des déchetteries, ça permet aussi de remettre des vélos dont on ne trouve plus les pièces détachées en circulation, et ça part un peu au problème de, en effet, production, acheminement de pièces détachées neuves. Alors, est-ce que vous travaillez sur tous les types de vélos? Je pense notamment aux vélos pour les enfants, les ados. Est-ce que déjà les familles sont habituées ou prennent un petit peu ce principe de remettre peut-être à neuf plutôt que d'acheter? Tout à fait, oui. Moi, j'ai l'exemple d'un client qui est venu de Cerisier, là, à côté de Sens, et qui m'a dit, ben voilà, c'est l'anniversaire de ma fille. J'ai 2 petits vélos 20 pouces qui correspondent à la taille de ma fille à la maison. Est-ce qu'avec ces 2 vélos-là, vous pouvez m'en faire un? Et puis, on a regardé ça tous les deux. On a mixé les deux, quelques pièces détachées neuves pour un petit peu embellir, ça fasse un petit peu plus cadeau d'anniversaire et pas vélo sorti du fond de la poubelle, entre guillemets. Mais ouais, tout à fait, familialement, même de génération en génération, il y a un affect aussi hein, au travers du vélo. Avec l'opération coup de pouce qui a été menée par l'État jusque l'année dernière, beaucoup de vélos sont ressortis des granges, des greniers, les vélos de grand-mère, on pourrait dire, pour aller chercher le pain. Tous nos habitants qui sont là que le week-end en maison de campagne, ça fait un petit vélo pour aller prendre l'air et puis aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin que dans les 500 mètres autour de la maison. Est-ce que tout est recyclable dans le vélo? Enfin, tout peut se changer, toutes les pièces existent? Tout peut se changer, j'irais même plus loin. Beaucoup de choses peuvent se réparer avant d'être changées. Il y a un souci financier, la main-d'œuvre à remettre en état, excusez-moi, à remettre en état quelque chose d'occasion peut parfois revenir plus cher qu'acheter une pièce neuve. Mais bon, on ne va pas refaire la société aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu le souci quand le porte-monnaie parle, ouais. Bon, j'espère que vous n'aurez jamais à retravailler les vélos de Lance Armstrong parce que vous allez trouver des choses bizarres dedans. Oui, pas que le sien. Pas que le sien, mais les autres y courent toujours, ils sont encore en activité pour certains. En tout cas, c'était un témoignage fort intéressant. Donc, on va avoir aussi un... Alors là, on change un peu de registre avec notre ami Gauthier Pajonat qui nous revient, qui va nous présenter les activités de la boulangerie Perrichon. C'est pas un professionnel du vélo, notre ami Gauthier, mais c'est plutôt un épicurien qui aime les arts de vivre. Bonjour, soyez les bienvenus sur les jolis quais bordant Lyon de notre belle ville de Sens. Regardez ces belles affiches des foires d'antan. On le rappelle, mais cette foire, un peu sous sa forme actuelle, elle commença, voilà un siècle précisément, en 1922. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un artisan exceptionnel qui a remporté une belle finale régionale, avant celle nationale, sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Mais ça, ce sera demain. En attendant, vous venez avec nous casser la croûte? Voilà, je vous avais promis qu'on allait casser la croûte. Eh bien, c'est le cas. Dans le fourni de la belle boulangerie Perrichon,
celle de Michael et de son épouse. C'est ça. Voilà. Jamais de boulangerie sans boulangère. Exactement. Et très important la boulangère. Alors Michael, on va vous demander de vous présenter. Donc monsieur Perrichon, Michael, installé à Sens depuis bientôt 6 ans. Et avec une équipe de 13 personnes au total. Avant, notamment dans Lyon, vous étiez établi à Saint-Florentin. C'est ça, pendant 12 ans. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que dans quelques jours, à l'occasion de la fête du pain, je crois que ça sera le lundi 16 mai, après avoir brillamment remporté la finale régionale, vous allez concourir pour la finale nationale sur le parvis de Notre-Dame de Paris, excusez du peu, pour le concours de la plus belle baguette de tradition. Alors, la question est toute trouvée. C'est quoi une bonne baguette de tradition française, Michael ? Eh ben, il nous faut une mi-crème alvéolée, une belle croûte croustillante. Et puis, si on a tout ça réuni, on a une belle baguette. Du joli blé aussi, évidemment. Un bon blé pour commencer, une bonne farine. Et puis, c'est parti. Et avec ça, on fait du bon travail. C'est ça. Donc, bah, écoutez, en attendant ce joli jour de mai, toute la clientèle peut se régaler dans votre belle boutique de la baguette, mais pas que. Il y a aussi quelques produits que vous aimez bien. Oui, j'aime beaucoup la viennoiserie. Faites maison, évidemment. Et puis, on va dire toute la pâtisserie boulangère qui pour moi est importante. Hein, les flans, les Saint-Honoré, les Paris-Brest. Voilà, un bon éclair. C'est ça. Des choses simples, mais bonnes. Voilà. On va le rappeler, vous êtes encore, hélas, peu nombreux à fabriquer vos viennoiseries dans nos boulangeries, pâtisseries françaises. Et je sais que vous êtes l'un des plus beaux artisans en la matière. On vous en félicite. Merci bien. Avec du bon beurre, évidemment. C'est ça. Voilà. Eh oui, Gauthier, avec du bon beurre pour fabriquer cette viennoiserie, cette boulangerie qui est le fleuron, forcément avec la baguette française, reconnue à l'UNESCO, au niveau de la production nationale. Magali, je vous regardais, Magali, vous dévoriez l'écran. Est-ce que vous avez une petite faim à cette heure-ci ? Ça peut donner envie, effectivement. Ça peut donner envie. Alors, ce qui peut donner envie aussi, c'est le programme de la Fabrique Entreprendre, le Startup Weekend. Oui, le Startup Weekend qui va avoir lieu les 17 et 18 juin prochains. Alors, quelques mots, parce que je crois que c'est une mise en relation entre des porteurs de projets, des entrepreneurs, vous-même qui portez des conseils. En fait, on veut faire émerger les neurones positifs des entrepreneurs. Oui, le Startup Weekend, donc c'est la deuxième édition cette année. On l'avait lancé l'année dernière pour la première fois, donc pareil au mois de juin, sur une fenêtre entre deux confinements. Et puis, l'idée de ce Startup Weekend, eh bien, c'est de créer une émulation de l'intelligence collective autour de projets différenciants, de projets un peu innovants sur le territoire du Grand Sénonais pour vraiment doper, dynamiser, booster tous les entrepreneurs qui pourraient avoir envie de créer leur entreprise sur ce thème-là. Alors par exemple, Magali, au vu de ce qui s'est passé l'année dernière, quels ont été les thèmes émergents qui sont remontés à la surface ? On a eu cinq porteurs de projets, cinq équipes. Du coup, les équipes travaillent autour de ces porteurs de projets pour vraiment triturer le projet à 360 degrés pour leur donner pour vraiment aller dans tous les détails du projet de création. Donc, il y a eu cinq équipes. L'équipe qui a gagné, c'était une équipe qui voulait proposer des box de livres en abonnement, un peu comme on peut trouver dans des bibliothèques, mais le livre vient chez soi, en fait. Voilà. Et ça évite, du coup, le stockage dans les étagères, ça évite l'achat des livres. Donc, il y avait... Ça, c'était l'équipe qui a gagné. Et puis après, on avait une équipe autour de la magie, on avait une équipe sur des frigos avec des produits locaux à consommer et à commander voilà, sur place. Une équipe sur une application en ligne pour faire des relations entre et des bons tuyaux localement. Et puis la dernière équipe, c'était autour de la dépollution dans l'environnement et dans le BTP. Voilà, une équipe sur la magie. Donc maintenant, on sait pourquoi Gérard Majax est remonté à la surface après tant d'années d'inertie. Forcément, la Fabrique Entreprendre, c'est aussi plein d'autres projets. Vous êtes là tout le temps pour accompagner ces créateurs, ces porteurs d'initiatives. Oui, il n'y a pas que le Startup Weekend. Effectivement, le Startup Weekend, c'est vraiment un événement phare, majeur, qui touche tous les porteurs, qu'ils soient étudiants, créateurs ou
voilà, ou vraiment dans une émergence particulière. La Fabrique à entreprendre, tout au long de l'année, on propose de nombreuses actions, de nombreux ateliers pour accompagner les créateurs, ceux qui se posent la question aussi pour se dire, est-ce que la création de reprise, ça peut être quelque chose pour moi ? Donc de cela jusqu'à juste après l'immatriculation ou même encore dans les 5 ans qui suivent, pour les aider à se développer, à développer leur réseau, à développer leur business. Ça peut être sur des thèmes du marketing, sur les thèmes des réseaux sociaux, de la communication, sur le prévisionnel, les études de marché, la négociation. Juste un point, Magali, pour être complet, comment on fait pour s'inscrire pour cette opération du mois de juin ? Alors, pour s'inscrire, de toute façon, dès qu'on veut une information sur la Fabrique à entreprendre, il faut aller sur le site www.entreprendre-grand-sénonais.fr. Donc www.entreprendre-grand-sénonais.fr, puis après on se laisse guider. Il y a une page dédiée au Weekend Startup et avec dedans le formulaire d'inscription. On va voir tout de suite quelques images, Magali, pour illustrer cette très belle initiative. Donc on a tout vu avec cette belle illustration, Magali. Je crois que là, on a tout compris. Oui, et puis c'est vrai que c'est vraiment un moment très festif, un moment convivial qui se termine, comme vous l'avez vu à la fin, par un jury sous une pluie de confettis. Sous une pluie de confettis. Alors, je pense qu'on va bientôt envoyer, puisqu'il est l'heure de rendre l'antenne, mon cher Romain, pour une petite conclusion. Les confettis vont bientôt tomber sur ce plateau. Je ne sais pas si les compétis vont bientôt tomber sur le plateau, mais en tout cas, ça démontre encore une fois que les projets sont divers et variés. Mais quelque part, il y a quand même un point commun entre tous ces projets. On parlait hier de sport, on parlait tout à l'heure sur la musique, sur les jeunes, on parlait du tri. Mais en fait, tout ça, c'est du collectif. Et quelque part, quand on parle d'une politique jeunesse, quand on parle de culture, quand on parle de tri, ça démontre bien que la volonté est de faire de notre ville une ville où il fait bon vivre, où les gens s'y épanouissent, et d'en faire la ville de toute une vie, tout simplement. Merci de ces propos. Merci à tous les invités, à toutes les invitées qui étaient présents sur ce plateau pour cette deuxième édition de TV Foire Sens. La convivialité, la beauté, cet esprit, cet art de vivre va se poursuivre, bien sûr, en restant sur la Foire de Sens toute la journée. Ce soir, à partir de 18h, des concerts qui vont s'enchaîner avec l'association Thérapie Blues. Et puis, on aura aussi Mr. Pink avec Jimmy. Tout un programme jusqu'à 22h30. Mesdames, messieurs, il faut en profiter. C'est pas tous les jours qu'on fait la fête dans Lyon et à Sens en particulier. Voilà, mais c'est tout à fait dans l'esprit. En tout cas, on va se quitter, non pas avec le générique habituel, mais avec Nalou. Et encore un coup de chapeau pour son clip assuré par le label municipal Larsen Records avec On. Et puis moi je vous dis à demain, à un horaire un petit peu différent puisqu'on sera sur une tranche 15-17 demain après-midi. Et là on va mettre l'accent sur un autre aspect là, qui va plaire aussi à Gauthier Pajonat. Ce sont les arts culinaires avec le chef Patrick Gauthier et puis deux influenceurs, Oscar et Félix, qui viendront donc nous parler de leur passion pour la gastronomie et le bon vin. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir accompagné. Je vous souhaite une bonne fin de journée en restant, bien sûr, sur la Foire de Sens.